Salut tout le monde, c'est Player Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Sword Art Online Horizon, les guerriers du ciel. Donc c'est le prologue, hein. On est toujours dans le prologue. Donc normalement, c'est le dernier épisode, je crois. Très certainement, il y a de grandes chances que ce soit le dernier. Donc on va tout de suite s'équiper de ce qu'on a gagné la dernière fois. Donc la cuirasse de ligne noire que bleue, les jambières, le bracelet, enfin les gants, pardon. Moi je vois plus que c'est un bracelet, mais bon. Et le casque. Donc voilà à quoi on ressemble. Le casque ne se voit pas, bien sûr. Donc voilà à quoi on ressemble. On a de la gueule, on va dire. Ça va. Mais bon. C'est pas trop mon délire, quoi. Je préfère mon manteau. Et voilà. Le sceau est brisé. Ah, donc nous devions nous équiper de ces 4 objets pour briser le sceau, logique. Continuons. Yosh. Parfait. Maintenant, je vais me désoccuper de ça. Ah, quoique, le casque, pourquoi pas. Pourquoi pas le prendre, ça me donne toujours... Ah. Et les gants. Pourquoi pas mettre les gants. Voilà, parfait. Voilà, je me ferai faire nettement comme ça. Mais bon, c'est une belle tenue hein, pour ceux qui ont créé leur perso. Ah, du coup, ce n'est pas la fin. Du coup, ce serait peut-être pas le dernier. Bon, on va voir où je dois aller, les amis. D'accord. La dernière arène est là. Et ben, il y aura peut-être une suite, les amis. Après, je m'avance un peu, hein. Terre des rêves perdus, sympa. Bon, par contre, j'ai soit la gauche, soit en bas à prendre. Où est-ce que je devrais aller? Si je vais en bas, j'ai risque d'aller là. Je devrais aller là plutôt. Dans désolation de machin. Alors. Il y a beaucoup d'eau dans cette zone, je remarque, et il pleut à chaque fois. Bon. Alors, désolation de Molbark. Oui, parfait. Il faut aller juste tout droit et normalement c'est bon. Oh, il tonne. Tiens, je savais pas qu'il pouvait tonner dans le jeu. Ça a été rajouté, non? Parce que je sais qu'il y a une mise à jour depuis, les amis. Il y a une mise à jour qui s'est ajoutée depuis que je l'avais fait la première fois. Pour annoncer le premier DLC, on n'a qu'à dire. Et ils ont peut-être ajouté ça. Parce que les orages, c'est vrai que dans tout notre let's play, on n'a pas vu aucun orage. Et là on le voit, ouais franchement s'ils ont rajouté l'orage c'est pas mal, c'est beau, ça fait plus vrai. Oh et après de toute façon, tant que ça n'affecte pas mon personnage, tout va bien. Bien, la cinquième arène est là les amis, let's go. Il est temps de procéder au duel, donc peut-être le dernier duel, on va voir ce qu'on va gagner. La reine Athéna Logia, c'est parti, voyons voir. Cet endroit ressemble aussi à un colisée.
devrons faire le tour pour voir s'il est possible de déclencher notre épreuve. J'ai cherché partout, mais je ne trouve rien. Je passe sûrement à côté de quelque chose. Je devrais peut-être rentrer en ville pour trouver les infos. Ah, ça y est, ça me revient un peu. La mémoire m'en revient un petit peu. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu ça. Du coup, peut-être qu'il y aura un épisode 4, les amis. Peut-être. Ça dépend si on est rapide ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a deux personnes qu'on n'a pas encore rencontrées. Le marchand louche a ouvert une nouvelle boutique. Oui, je le sais. Bien. Allez, à l'auberge pour discuter de l'épreuve. Le sol au café des hauteurs. Vous êtes libre. Ah. On va aller au café des hauteurs, les amis. Ce, je sais pas, je me rappelle plus si c'est annexe ou si c'est principal, ça. C'est normalement de rencontrer deux personnes bien précises. Pour ceux qui connaissent le DLC, vous devez savoir qui c'est. Ah. Qu'est-ce que c'est que cet attroupement? Désolé tout le monde, je suis ici dans mon temps libre, alors... Cette voix, je ne serai pas. Et là, il y a enfin les voix, les amis. Merci pour tout votre soutien, ne vous bousculez pas, d'accord? Hey, Steven! Bonjour, merci pour tout votre sou... Tiens. Attends, c'est toi, Kirito? Je n'attendais pas à te voir ici, on m'avait dit que tu avais trop de travail pour jouer en ce moment. Ah, tous mes plans tombent à l'eau, je ne pense pas que tu me trouverais si vite. Quel plan? Rien du tout. En tout cas, on ne peut pas discuter tranquillement ici. Et tu as toujours autant de succès à ce que je vois. Ça me fait plaisir, évidemment, mais tout le monde a besoin d'un peu d'intimité de temps en temps. Essayons de trouver un endroit plus tranquille, tu veux bien? D'accord, mais comment tu vas te débarrasser de ta horde de fans? On a qu'à faire comme ça! Ah, Seven, pourquoi tu me sers le bras si fort d'un coup? Hé, hey, on va passer en force, c'est parti, vite! Merci à tous, Dovendanya! Dovendanya! J'ai l'impression que ces fans me fusillent du regard. Bon, ça a l'air un peu plus calme ici. Pio, c'était épuisant dans tous les sens du terme. Mais tu aurais pu prévenir quand même, on serait venu t'accueillir quand tu t'es connecté. C'était fait exprès, je voulais vous faire une surprise. Mais vu que tu m'as trouvé, c'est raté. Ah, c'était ça ton plan. Vu le monde que tu attires, tu devrais te douter que ça se remarquerait. Ah oui, c'est pas faux. Seven, de son vrai nom, Rainbow Archavine, est devenu très jeune un prodige de la science. Dans le monde virtuel, elle se produit sous l'identité de Seven, une célèbre chanteuse aux fans de tout âge. En fait, son génie a même contribué au développement de Sao. Bref, tu as du temps libre maintenant. Je croyais que tu courais sous les recherches en ce moment. Oui, c'est toujours le cas. Mais je travaille tard dans la nuit pour essayer de me réserver un peu de temps pour moi. Et vu tout ce que vous m'avez raconté sur Sao, j'ai envie de l'essayer moi-même. Ah, désolé, on ne voulait pas que tu te sentes exclu. Mais je suis content que tu aies trouvé le temps de passer nous voir. Et je suis content d'être tombé sur toi. On a intérêt à passer aux choses sérieuses tout de suite alors pour que tu profites à fond de ton congé. Mon congé? Qui a dit que j'étais en congé? Hein? Je suis toujours en plein travail. Tu ne crois pas que découvrir le jeu personnellement, ça compte comme des recherches? J'imagine qu'on peut le voir comme ça, question de point de vue, on va dire. Eh, ne fais pas comme si j'inventais des excuses pour m'amuser au lieu de travailler. Bon, je vais avoir besoin que tu me fasses visiter la ville, dans le cadre de mes recherches, bien sûr. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Bien sûr, puisque c'est au nom de la science. Ok. Ah, excusez-moi. Bon, ça fait de moi ton assistant, alors. Très bien, alors, c'est parti. Oh là là. Je vais décéder. Mais... Par ici, Seven, on a presque fait le tour. Je crois que c'est le dernier endroit que je ne t'ai pas montré. Oh, l'ambiance est très vivante ici. En fonction de l'heure, il peut y avoir encore plus d'animation. Ah oui.
Hey, tout le monde a l'air de bien s'amuser. C'est gaieté, cette gaieté est contre toi, Julius. Ah. Quoi, j'ai dit quelque chose de bizarre? Non, pas du tout. Je me disais juste que tu as l'air d'adorer ce monde. Évidemment, la réalité virtuelle a un potentiel énorme, mais mon travail consiste à l'exploiter. J'avoue que je ne suis pas très bien apprise avec Halo, mais bon. Tu parles du Cloud Brain? Relier les esprits de tous les joueurs pour produire un algorithme informatique d'une puissance sans précédent. Je pense toujours que mes recherches portaient de bonnes intentions, mais l'avenir de la réalité virtuelle. C'est juste ma méthodologie qui était discutable. Je me suis servi de tout le monde et je regrette sincèrement. C'est pour ça qu'il y a toujours un tas de gens qui te soutiennent. Ah, désolé les amis, je suis en train de décéder là. Merci, j'espère vraiment que tout le monde aimera Sao. À ce propos, est-ce que ta carrière d'idole du monde virtuel est terminée? Pour l'instant, oui. J'ai déjà du mal à trouver du temps pour venir faire un tour dans le jeu. Je ne peux rien gérer d'autre en ce moment. En plus, j'ai d'autres projets. Ah oui, comme quoi? Passer du temps avec ma sœur, par exemple. Je vois, c'est pour ça que tu fais tout le possible pour te réserver du temps libre. On a rarement l'occasion de se voir en personne vu que j'habite aux États-Unis. Mais dans la réalité virtuelle, j'ai l'impression qu'elle est vraiment avec moi, même si c'est avec un avatar. Oui, je te comprends parfaitement. Ceci dit, j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour convaincre de jouer à ce jeu, j'espère qu'elle aimera le résultat. Un super dernier, ça lui donne l'occasion de te voir après tout. Et j'espère que tu as raison. Et puis rappelle-toi que c'est une joueuse invétérée presque autant que moi. Je parie qu'elle aura bientôt accumulé plus d'heures de jeu que nous tous. Tu n'as pas intérêt à dire ça devant elle si tu tiens à ta vie. Elle ne joue plus autant maintenant qu'elle a sa propre carrière d'idole. C'est vrai? Enfin bref, merci de m'avoir fait visiter la ville, je vais te laisser. Pas de problème, tu vas te connecter pour reprendre le travail? Non, mais ça m'embête de t'obliger à jouer les guides alors que je voulais me promener toute seule un moment. Et puis je vais peut-être rater ma surprise avec toi, mais il reste encore Azuna et les autres. Ah, d'accord, je ne dirai à personne que je t'ai vu alors. Merci, je tâcherai de trouver le temps de repasser un de ces jours, on pourra vraiment jouer cette fois. Bien sûr, à la prochaine, Steven. Ah là là, désolé les amis. C'est parce qu'en fait, je suis encore un petit peu malade. Je suis pas tout à fait guéri, donc du coup, c'est un peu chiant. Mais bon, ça ira mieux d'ici quelques épisodes, vous n'inquiétez pas. Bon, du coup, vous reconnaissez Steven, les amis. Steven qui était... Ah, consulté au haut du marché seul. Et allô, café. Ok, on va faire ça. Donc d'abord le café. Ok, c'est Steven, donc qui était le boss final en quelque sorte de Lost Song, de Sword Art Online Lost Song, donc notre let's play précédent qui était bien sympathique quand même, où je découvrais les SAO justement, donc du coup très sympa. Donc on retrouve Steven dans LC. Salut Kirito. Salut Sissa et Pina aussi. Kyo, vous allez quelque part? Ouais, puis je vais m'entraîner à me battre un peu, on peut devenir forte, Pina et moi, on veut devenir forte. Bonne idée, c'est bien d'apprendre à gérer le délai avec l'utilisation de compétences épées. D'ailleurs, pourquoi tu ne viendrais pas avec nous? Tu t'y connais en combat, je pourrais te demander conseil. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. C'est vrai, tu veux bien? Bien sûr, je me fais toujours un plaisir de t'aider, si ça. Super, merci beaucoup. Joli. Je suis plutôt fier de moi sur ce coup. Entre ta distance par rapport à la cible et le délai suivant, la compétence, tout était calculé à la perfection. C'est vrai, je crois que je commence à prendre le coup de main. Et merci pour les soins, Pina. Décidément, Pina t'adore.
et je l'adore aussi. On a un lien très fort. Ça vient de ta gentillesse. Tiens, on n'est pas loin de la forêt. Est-ce que tu as entendu parler des monstres qui y vivent? Non, pourquoi? Ils ressemblent à des petits cerfs trop mignons. Je leur ai apporté des friandises l'autre jour et ils ont dévoré. Certains ont même mangé dans ma main. Eh bien, même les monstres adorent. Vu qu'on est là, on pourrait peut-être aller les voir. Si tu veux, j'essaie de leur donner à manger. Ils sont super gentils, je parie qu'ils te laisseront faire. Les monstres sont censés être dans le coin. Oui, ils doivent se cacher dans l'ombre. Regarde, en voilà. Ah oui, je le vois. Donc ce ne sont pas des monstres agressifs. Pas du tout, ils n'attaquent personne à moins d'être provoqués. Mais qui pourrait vouloir faire du mal à un petit cerf aussi trop mignon? Pas étonnant que tu sois dompteuse, les animaux. Sors tout de suite ta compassion. Bon, essayons de leur donner à manger. Tiens, j'ai toujours des friandises sur moi. Méfie-toi, Pina en est friande aussi. Oh, si tu réussis à les faire venir à toi, on pourrait devenir dompteurs ensemble, ça serait super. Il faudra que tu me donnes des leçons. T'apprendras tout ce que tu veux, c'est à moindre des choses vu tout ce que tu fais pour moi. Alors, d'abord je transforme ces noix en objets et ensuite... Viens voir, petit cerf, j'ai une friandise pour toi. Il n'a pas l'air emballé. De se méfier de toi, réessaye. Approche, tu n'as rien à craindre, je ne vais pas te manger. D'ailleurs, tu sais comment ça se cuisine, le cerf? En ragoût? Au grill? Personne ne va manger de cerf! C'était juste une question comme ça! En tout cas, celui-ci n'a pas vraiment l'air de vouloir de mes friandises. Tu veux que j'essaye? Il a mangé dans ma main l'autre jour. Vas-y, je te laisse faire. Alors, je prends la friandise et... Tiens, petit cerf, une déchéance friandise rien que pour toi. N'aie pas peur, on ne va pas te faire de mal, viens. Regarde-moi ça, il s'approche de toi. C'est bien, mon grand, tiens. T'as vu, il l'a mangé? Tu veux pas, Tissa, tu es vraiment dompteuse hors pair. Tout doux, ne t'en fais pas, il m'en reste encore plein. Je me demande si les joueurs qui ont déjà dompté un monstre s'entendent plus facilement avec les autres. Il y en a un autre qui vient de se montrer. Et encore un. Si ça, j'ai l'impression qu'on a attiré la harde entière. Ils sont partout. Ils sont encerclés. Attends ton tour, toi. Je t'en donnerai quand je me serai occupé de tes amis. Arrête, non, c'est ma jupe, ça. Je crois que tu t'es fait plein de nouveaux copains. C'est pas le moment de rigoler, aide-moi. Pourquoi? Ils ne sont pas agressifs. Pas de quoi paniquer. C'est pas ça qui me fait peur, juste que si ça continue, tu vas avoir ma... Ah non, ne regarde pas, ferme les yeux, Pina, secours. Pina, tu me laboures le visage. J'ai réussi à leur échapper en jetant des friandises par terre. Excellente technique, bravo. J'aime pas trop qu'on grignote mes habits. Que les monstres adorent si ça. Comment s'ils comprenaient ce qui se passe dans ta tête? Tu crois que vraiment que c'est possible? À ce propos, pourquoi Pina a essayé de m'arracher les yeux quand tu étais entouré de sparacères? Pina a simplement joué son rôle, elle m'a sauvé en préservant ma dignité. Hein? Tu crois vraiment ce que je pense, hein? Merci Pina. Ça ne m'explique pas pourquoi Pina m'a sauté dessus, mais je crois que je vais laisser couler. Exactement. Laisse couler. Cherche pas. Allez, on doit aller consulter le tableau, ça sera bon. Ah, désolé, là, je tousse, ça, c'est chiant. J'essaie de tousser un bon coup, comme ça. Ça sera fait. Alors. Bon, on va aller voir un panneau d'affichage, et je crois savoir qui on va rencontrer, donc ça va être normalement la deuxième personne que vous connaissez très bien.
Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Un petit tour en solo de temps en temps, ça fait du bien. Bizarre, j'ai l'impression qu'on observe. Pas de doute, il y a quelqu'un qui me suit. Ok, je peux jouer à ce petit jeu moi aussi. Hein? Ah, je l'oblige à courir. Je vais me cacher derrière ce coin et... Qu'est-ce que tu me veux? Tu m'as fait peur! Ça va pas de t'arrêter d'un coup comme ça! Hein? C'est toi, Rain? Ça faisait longtemps, Kirito! Rain, survivante de Sao, rencontrée dans Halo, et la sœur du docteur Rambo, dont elle était séparée depuis l'enfance. Grâce à son intervention, elle a réussi à arrêter le docteur Rambo avant qu'elle provoque un vrai désastre. Bien qu'elle vive dans des pays différents, ses deux sœurs sont maintenant plus proches que jamais. C'est toi qui m'as fait peur, alors comme ça, tu as eu envie de jouer à Sao toi aussi. Oui, c'est une longue histoire. Je n'avais pas beaucoup de temps à consacrer à Halo à cause de mes occupations dans le monde réel. Rambo n'arrêtait pas de m'envoyer des messages pour me dire de venir jouer. Elle devait s'en sortir seule sans toi. Alors j'ai essayé de me connecter plus souvent, mais d'un coup, c'est elle qui s'est retrouvée trop occupée pour jouer. Du coup, on ne s'est quasiment pas vu pendant un moment. Et puis un jour, Rambo m'a envoyé un code d'accès à la bêta de ce jeu. Elle disait qu'il fallait absolument que j'essaye ça haut. Normal qu'elle veuille te le faire découvrir vu qu'elle a participé à son développement. Oui, c'est sûrement ça. Enfin bref, ce ne serait pas digne d'une grande sœur de refuser ce genre d'invitation. Je vois. Mais ça n'explique pas pourquoi tu me suivais en douce. Enfin, tu faisais pareil dans Halo, mais... C'est parce que je me suis inscrite sans le dire à personne, alors je ne savais pas trop comment t'aborder. Tiens donc. Non mais oh, pourquoi je mentirais? Quelle autre raison je pourrais avoir? Le frisson de la chasse par exemple, ou tu veux juste me flanquer la fosse? Il y a peut-être un peu de ça aussi. Ah je te jure, et donc qu'est-ce que tu penses de ce jeu? Je n'en reviens pas, on se croirait dans Sao. J'avais entendu dire qu'ils avaient transféré les données, mais quand on voit ça en personne, c'est autre chose. Enfin, dès que j'ai vu les autres joueurs, ça m'a rassuré. On voit tout de suite que personne n'est prêt au piège. Oui, tu n'as pas à t'inquiéter, on est tous ici pour s'aligner. Ce qui m'inquiète plutôt, c'est de savoir si je vais pouvoir vous rattraper. Ah, pas de soucis, on te donnera un coup de main pour gagner de l'expérience et des matériaux. Et vu comme tu es donné, doué, tu devrais pouvoir rattraper ton retard en un rien de temps. J'ai bien vu de quoi tu étais capable dans Halo. Ah, n'exagère pas, je crois que tu places la barre un peu haut. Ça fait à peine une heure que je suis connecté. Mais j'aimerais vraiment vous rattraper maintenant que j'ai trouvé le temps de jouer. Tu as dit que tes occupations te prenaient tout ton temps, tu parles de ta carrière de star? On peut dire ça, comme ça, mes fans sont de plus en plus nombreux. J'ai aussi donné un paquet de concerts, si tu veux que je te chante quelque chose, c'est l'occasion. Je te demanderai un autographe la prochaine fois qu'on se verra en personne alors. Mais c'est vrai que plus tu deviendras célèbre, moins on pourra passer de temps à jouer ensemble. Pas de soucis, je n'aurai qu'à organiser une campagne de concerts virtuels, comme ça on pourra se voir. Ça poche, je parie que ça plairait à beaucoup de monde. Pas mal pour une idée qui m'est venue comme ça, hein. Je verrai ce que je peux faire. Enfin, pour l'instant, je veux juste profiter de Sao dans toute sa gloire, Rambo m'a invité après tout. Et tu as bien raison, compte sur moi pour t'accompagner, on va bien s'amuser. Génial, merci. Épée de Rain. Ah là là. Le nouveau personnage de Rain peut utiliser deux épées, même si ses compétences SP sont modifiées. Vous ne pourrez pas offrir de bouclier à Rain, mais vous pouvez lui offrir des épées à une main pour sa main gauche. C'est bien. C'est la deuxième à obtenir deux épées, comme avec Kirito. Je suis plus tout seul maintenant. Bon, en tout cas, c'est bien. Ah, passer un moment seul dans le salon de l'auberge. Ah oui, je sais. Je sais pourquoi. Bon, les amis, merci à regarder cet épisode. Désolé, un peu plus court. Le prochain sera, je pense, un peu plus long. Allez, bye tout le monde!